Narcissé pour faire Allah son éloge parce que Allah fin guide nous vers l'islam. Wa manna alayna bika. Nous narcissé pour faire Allah son éloge parce que Allah fin faire faveur nous à travers ou ya Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ka intensa dijabek ban sahaba, o ban sahaba, est-ce qu'ils ont fait serment? Est-ce qu'ils ont fait un serment qui vraiment, vous êtes persisté à cause ça même? Vous êtes fait un serment vraiment à cause ça même, vous êtes persisté? Man sahaba ikram, manna dia, oui, à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, nous fait un serment, nous persisté pour faire ça même, pour faire Allah ce dhikr, pour faire Allah ce éloge, parce que Allah fin guide nous vers l'islam et Allah fin faire faveur à nous à travers où il y a Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous avons dit au van sahaba, pour pas fin faire ce faire serment à cause de moi qui doute les autres, mais seulement là, Jibril alayhi salam, tu viens contre moi. Et Jibril alayhi salam fin dit à moi que Allah subhanahu wa ta'ala li razi avec ce qu'ils ont pu faire devant van farishta. Allah dit razi avec ce qu'ils ont pu faire devant Ban Farishta. Allah il a accepté ce qu'ils ont pu faire devant Ban Farishta. Maintenant, ce hadith là, il suffit ça. C'est un hadith, comment on dit, même authentifié par Albani. Celui qui les financé Ban Sahaba et Karam, et voilà, qui fait un assisé pour faire Allah se éloge, Allah se vikre, remercie Allah. Et Jibril alayhi salam fin vini fin informe récompense qui banna fin gagné. Donc nous pouvons suivre le principe de Mam Sahaba Ikaram et nous si nous narcissons, nous pouvons remercier Allah Rabbul Alamin. Certainement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui-même les plus grands faveurs qu'Allah fin fait à l'ONU. Ban ulama fin écrit un livre, An-Ni'matul Kubra. An-Ni'matul Kubra, par Imam Haytami. Les causes concernant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme plus grand ni'ma, plus grand faveur qu'Allah fin fait à l'ONU. Donc, quand on étudie le Coran, ayat qui est très populaire, surat 3, ayat 164, Allah mentionnait « Laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasoula » L'alliance en eux, le livre Coran, et l'alliance en eux, la sagesse, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, et sans doute avant ça, ben là, tu dois l'égarement. Alors, ça aussi, donc ça, ayat là, il montre nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a une très grande faveur de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, musulmans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fin vini, comme nous connaît, comme rahmatul lil alamin. Les rahmas pour toute la création. Les rahmas pour toute la créature. Rahmas lil alamin. Allah li rabbul alamin. Allah li seigneur de tout le monde. Allah li fin créer tout le monde. Ici, Allah peut faire mention que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les rahmas pour toute la création, pour toute la créature. Nous Nabi sur rahmas. Tout bonne créature, vous gagnez une partie là-dedans. Mais seulement, alhamdoulilah, musulmane, ummat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui bénéficiait beaucoup des pires rahmas de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous, quand nous pouvons bénéficier beaucoup des pires rahmas de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment nous capables pas contents? Comment nous capables pas compter que Rasulullah fin vini. Le Coran sura 9 ayat 128 Allah dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'asisun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dans cette ayat là Allah peut faire mention un messager fin vini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Certainement, un messager, un rasoul fin vini. Là, man ulama, mana fin discuss le satanwin qui est là, le mot rasoul. Satanwin qui est là, un, sans un, tanwin, do pêche. Mana fin discuss le là, et mana dire ici satanwin là, c'est pour montrer grandeur de sa rasoul là.
comme un point de balaro. Parfois, al est un meaning spécial, parfois, tanwin est un meaning spécial. Mais nous l'avons dit ici, ça ressoulon, ce tanwin-là, pour refaire, pour montrer grandeur de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Certainement, un ressoul, finwin kodjet. Et là, si vous analysez cette ayat-là, il ne prend pas le nom du ressoul, il ne prend pas ce nom. Il ne prend pas dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ici. Un rasoul fin min kudzut. Ça aussi li nakira, li pa ma'arifa, li pa ar-rasoul. Right? Li indéfinit. Man ulama, zo djanou, ka kiken li tellement connu. Ka kiken li tellement connu. Ki ou pa nécessaire introduit à li. Parfois, yon a djimoun, ou bien introduit à li. Mais parfois, yon a djimoun, li pa nécessite une introduction. Li connu, tout djimoun connu li. Et comme si, quand on introduit Ali, on peut descendre, right? On peut baisser le valet quand on peut introduire Ali. Parce qu'il n'est pas capable d'introduire Ali. Et tout le monde connaît. Mais nous l'avons dit un peu de la même façon, ça, Tanwin-là, il peut refaire à grandeur Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un Rasoul fin vini. Ça, Rasoul-là, comment il était? Right? Cette souffrance pèse l'ouloni. Cette souffrance pèse l'ouloni. Et sa Rasoul-là, il envise du bien ardemment. Il envise du bien beaucoup. Quand vous souffrez, ça pèse l'ouloni. Il n'est pas content de souffrir. Et deuxième, il envie du bien pour vous. Sa ayat-là peut montrer nous Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite mentionné, right? Bil mu'minin ra'oufur rahim. Il y en a beaucoup pitié pour les mu'mines. Ayat-là peut montrer musulman qui nous musulman qui quantité une grande partie de rahma de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah fina kod nous. Allah fina kod nous. Et un exemple, imam Fakhruddin Razi fin mentionné dans ce tafsir kabir l'imam Razi janou rouya annahu alayhi salam dakhal al masjid faraa na'ima. Il dit qu'il y a une fois Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin rende un masjid et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin trouve un djimoun pe domi dans masjid. Alors fin arrive là pour lever pour faire namaz. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ya Ali nabbihhu liyatawadda. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avec Hazrat Ali ou Ali lève sa djimoun là. Right? Casse le sommeil et afin qu'il y ait fait wuzu. Alors Hazrat Ali radiyallahu anhu fin lève sa djimoun là. Et c'est moi quand Hazrat Ali fini lève sa djimoun là, Hazrat Ali radiyallahu anhu là il y a une question. Right? Il y a une question que pose Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ya Rasul Allah innaka sabbaqun ila al khayrat falima lam tunabbihhu. Nabi Hazrat Ali demande avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ya Rasul Allah ou celui qui ou précipité pour faire bon travail ou qu'il a une neki pour faire. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en premier il fait un neki là. Innaka sabbaqun ila al-khayrat. Ya Rasulallah, ou fait vite de faire nekiyo. Falima lam tunabbihu. Mais ici, là, dans ce cas, Ya Rasulallah, ça dit mon apidomi, l'éli pour y faire wuzu, pour faire namaz, c'est un neki. Autant qu'il me connaît, ou fait vite pour faire neki ou même. Mais qui fait là, dans ce cas, Ya Rasulallah, ou même ou pas fin l'éli. Hazrat Ali pas objecté qu'il nous rasoul fin ordonné pour aller sa djmouna. Non, c'est un honneur pour lui. Mais c'est moi qui connais Nabi Karim. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il fait vite d'affaire neki. Alors, il peut demander, là, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Et là, ça a montré, comment on peut dire, où, nos nabis sont rahman qu'il y en a pour ban mu'min. Ça manifeste. Il dit Ali, Anna raddahu alayka laysa bi kufrin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit oh Ali, qui fait un mois pour pas finir l'évli, je dis toi à l'évli, parce que si ça dit mon là de sommeil arrivé, ton l'évli, il dit non, je ne peux pas pour lever,
لأن رده عليك ليس بكفر. Lydia, mot pas pour lever. Topé lève-li, oh, allez. Lydia, mot pas pour lever. Mais ça, c'est pas coffre. Hein? Topé, j'ai li lever. Ni dans sommeil, n'a dit non, mot pas pour lever. Et ça, c'est pas coffre. L'ipé refuse, obéir à toi. Ça, c'est pas coffre. Tandis que, si moi, Allah, son Rasoul, allez, lève ça, djimouna. Et djimouna objecté, ça capable, amène li jusqu'à coffre. Ça capable, amène jusqu'à coffre. Alors, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, moi, pas lève-li à quoi ça? Mangez-toi à lève-li. Sa quantité, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, n'y compte sa ummat. Dans le deuxième hadith, paru de Sahih Bukhari, rapporté par Hadrat Aisha, radiyallahu ta'ala anha. Hadrat Aisha, radiyallahu anha, li jannaha Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, anil wisal, rahmatan lahum. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait habiter God en rosa, rosa wisal. Les God rosa wisal, de quelle façon? Pendant plusieurs jours, sans faire service, sans faire iftar, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les God rosa continue aussi comme ça. Certains man sahaba fin connaît, maintenant aussi fin commence God sa rosa là. Pendant plusieurs jours, pas faire service, pas faire iftar, pas manger, reste continuously dans l'état de rosa. Alors quand certains sahaba fin commença, normal bana fin affaibli. Après quelques jours bana fin affaibli. Mais nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il fait God son rosa wisal. Et en même temps, il peut faire tout ce travail pareil. Quand nos Nabi fin connaît qui s'aban sahaba la fait God rosa wisal, nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin en pisse bana. Qui fait? Hadith a dit, rahmatan lahu comme un rahma pour bana. Comme une rahma, miséricorde pour Banna. Là, mon sahaba dit, faqalu, innaka tuwasilu. Mon sahaba dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ou God rosa wisal, ou God rosa wisal, ou plusieurs jours, ou God rosa sans manger bois. Là, le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi wa yasqin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit, moi pas pareil comme un zut, moi mon Rab, lui donne-moi à manger, mon Rab, lui donne-moi à boire. Lui donne-moi à manger, lui donne-moi à boire. Maintenant là, Manolama a expliqué. Maintenant, dit, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui pégote rosa pendant plusieurs jours, et lui dit, avec mon sahaba, zut pagode, sa rosa là, moi, je ne pas pareil comme un zut. Mon rab donne-moi à manger, mon rab donne-moi à boire. Mais la question c'est, mais nous aussi, et bien sahaba aussi, est-ce que ce n'est pas Allah même qui donne manger et boire? C'est Allah qui donne nous manger et boire, quoi, Allah. C'est Allah même. Ce qui veut dire ici, là, parce qu'il y a un type spécial de manger et boire. Là, ben, nous, l'ama dit, nous, quand on mange, quand on boit, on sent où ventre plein, ou pas pégaye fait. Right? Ça feeling qui vous gagnez quand vous mangez ou boire. Là, là, vous finissez manger ou boire. Ça feeling qui vous gagnez ou ventre qui ne plaît pas, qui gagne faim. Allah lui crée ça feeling là dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il nous n'habille manger ou boire. Sans qu'il nous n'habille manger ou boire pendant plusieurs jours, les fils vont plein. Les fils, les pas fils, ça fait là. Les pas fils, soif. Alors, en même temps, là, montrez-nous que manger, oui, il fait nous faim aller, de l'eau, il fait nous soif aller, mais seulement ça, il n'est pas comme si pas lui-même. Il n'est pas d'une façon que nous obliger quand nous mangeons, nous faire aller. Non. Non. Allah qui crée ça, il fait là-dedans. Et Allah, il est capable de faire ça arriver qu'il y ait du monde qui mange, mais seulement ce ventre à plein. Il boit, il continue à avoir soif. Il est possible ça. Et peut-être aujourd'hui, comparé à l'époque longtemps, nous avons mangé beaucoup, mais seulement ensemble avec ça, nous avons problème aussi beaucoup. Right? Problème aussi beaucoup. Barakat peut enlever. Barakat peut enlever. Donc, barakat, c'est pas comme si on a beaucoup. Barakat, c'est la quantité qui est là, il suffit pour y en plus. Pour. Alors ça, c'est Rahman de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam.
Maintenant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finbini, li nous rassoul, il y a beaucoup de rahma pour nous, li compte en nous, li compte en nous du bien, et nos souffrances pèsent nous l'oli. Ça c'est une façon. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a une faveur de la part de Allah. Et deuxième, nous pose la question, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce qu'Allah fait une donne-lui capacité qu'il est capable de faire du bien pour nous? Est-ce qu'il est capable de faire du bien pour nous? Il compte en nous, par exemple, qui compte en nous beaucoup, mais seulement il n'est pas capable de faire non, rien pour nous. Est-ce qu'il Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il est capable de faire du bien pour nous? Un seul exemple pour nous. Montrez-nous la capacité qu'Allah fait accorde à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous, qui quantité grand faveur Allah fait faire pour nous, fait venir de son ummat. Dans Sahih Bukhari, hadith numéro 748, Sahih Bukhari, hadith rapporté par Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Une fois, c'est un solar éclipse, et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin sorti pour faire namaz. Quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin sorti pour faire namaz, man sahaba peut faire namaz derrière lui. Pendant la namaz, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il fait bouger durant la namaz, même il bouge, il a l'intégré devant. Et man sahaba, alors il y a maintenant fin trouver comme si Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin envoie sur la main pour trapper quelque chose, pour prendre quelque chose, mais seulement après Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il finit retourne sur la main Mubarak. Après il retourne à l'arrière et il continue son namaz. Quand la masse est terminée, ça peut arriver dans Masjid Nabawi, dans Madina Sharif. La masse est terminée, ben sahaba demandé, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons durant la masse, on envoie ou la main pour prendre quelque chose, mais après on ramasse ou la main. Ya Rasulallah, qui fait au fin faire ça? Ya Rasulallah, qui fait au fin faire ça? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit sallu kama ra'aytumuni salli. Rasulullah dit fais un namaz pareil comme je trouve moi faire un namaz. Alors là le Nabi fin faire une action qu'il n'est pas habitué à faire dans un namaz. Un sahaba ça même peut poser question, est-ce que nous aussi nous faisons faire pareil dans un namaz? Alors là, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Lidia, vous connaissez qui Lidia? Lidia, inni uritul jannah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit pendant namaz, jannah finit présenté à moi. Durant namaz, inni uritul jannah. Jannah finit présenté à moi. Fatana waltu minha unqudan. Lidia, quand jannah finit présenté à moi, Mofin ou les casse en grappe fruit depuis Jannat. Jannat est présenté à Ali. Dijia mon ou les casse en grappe fruit depuis Jannat. Voilà où akhaztuhu la akaltu minhu ma baqiyati dunya. Et Lidia si moti casse sa fruit là, moti pou donze, autant barakat ena, ze tu pourrais semence depuis la danse jusqu'à Kayamat. Jusqu'à sa dunya là, rester jusqu'à Kayamat, tu pourrais se penser depuis sa fruit là. Seulement, il dit, après moi, ramasse-moi la main. Maintenant, ça montre nous, nous aussi nous faisons un namaz. Mais seulement, est-ce que arrive ça à nous? Non. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il dure un namaz, il dit, Jannat finit présenté à moi. Et il nous les casse, il est capable de casser un grappe fruit, mais seulement, il n'est pas une fiali. Il y a beaucoup de sagesse derrière ça. Ça montre nous la capacité qu'Allah fait accorde à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un rasoul comme ça, Allah fait accorde, non, qui fait ne pas vous célébrer contentement. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, un parmi ses spécialités, paraît dans Sunan Nabi Daoud, hadith numéro 4510, qui est une madame juive de Madina Sharif de Khaybar. Une fois, il invite Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et man sahaba. Man sahaba final de sa dawat là. Alors, arrive un moment, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit « Irfa'u aydiyakum »
Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avec mon sahaba, lève de clamer, arrête de manger. Sa madame Swifla, dit-il fait grillade, la viande cabri. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à mon sahaba, arrête de manger. Et lui dit, appelle sa madame Swifla. Sa madame qui n'invite nous là, appelle-le. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, asamamti hadhihi shata. Le Nabi demande avec sa madame Swifla, est-ce qu'il te fait mettre poison là-dedans? Alors effectivement, il te met poison de sa grillade qu'il présente à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa madame Swifla, il te met poison. Et il te met un poison bien, bien fort, bien puissant. Et de ce lacasse, personne ne va te connaître ça à porte-lui. Le Nabi ne finit connaître. Le Nabi ne finit connaître. Il dit à un sahaba pas manger. Appelle madame là, demande-lui, est-ce qu'il te met poisson là-dedans? Qalatil Yahudiya, man akhbaraka. Ça, madame Swifla dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a fait l'informe où? Il ne va ni te mettre poisson? Il ne pas répondre oui, non. Non. Il pose question là. Man akhbaraka. Qui s'en a fait dire où? Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là lui répond mais dit akhbaratni hadhihi fi yadi lidhira. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Ça la cuisse qui dans mon lame là, ça la viande cabri grillade qui dans mon lame là. Ça fait info moi qui au Muhammad et un poisson dans moi pas besoin au mangement. Ça la viande n'a fait info moi. Maintenant là c'est qui m'opère de montrer où. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam l'invini comme rahmatul lil alamin, nous bénéficier depuis son rahma, sa capacité qu'Allah fin donné, nous nous cause un hadith lola. Maintenant là, nous pouvons essayer de comprendre Nabi Karim, lui comprend langage, lui comprend langage de ban jimoun qui cause avec lui. Nous Nabi, lui comprend langage de ban animaux qui cause avec lui, ban animaux vivants qui cause avec lui, lui comprend ce langage. Pas seulement ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui comprend même langage d'un grillade qui cause avec lui. Et ça pour un mu'min, quand il connaît qui son Nabi pour comprendre qu'il lui peut dire, vraiment lui console beaucoup un mu'min. Imaginez une partie où on a dans la Chine par exemple, on a dans la Chine dans l'endroit que personne ne parle anglais, français, ourdou, bhojpuri, hindi, tout langage qu'on connaît, maintenant personne ne parle ça. Tout peut cause mort d'arrêt. Vous vous sentez où? Un stranger là-bas. Vous feel confortable là-bas. Parce que personne ne peut comprendre ce que vous pouvez dire et quand vous avez cause avec vous, vous ne pouvez comprendre. Dans une situation comme ça, vous avez besoin d'un Mauricien. Un Mauricien, il cause créole avec vous. Peut-être celui qui ne les a l'Umra, pas avec Ban. Pas dans un groupe personnel, celui qui n'a les. Il est tout seul Mauricien dans l'hôtel. Si il y a un Mauricien là-bas, pour y a une grande affaire ça. Dans le pays, dans Maurice, nous pas prendre compte. Mais quand vous voyagez, vous avez un Mauricien, comment dire, vous gagnez courage. Pour un mu'min qui plie grandes affaires, qui s'accapare, qui se rassoul, comprend ce langage. Alors nous rassoul, il comprend ça, ça l'avienne cabri là. Une cause avec lui, il comprend. Et là, nous Nabi sallallahu alayhi wa sallam, demande avec lui. Fama aradti ila dhalik. Alors, on lui demande avec sa madame Swifla, qui fait de mettre poison là-dedans? Il dit, madame là, dit, Qultu in kana nabiyan falan yadurruhu wa in lam yakun nabiyan istarahna minhu. Alors, il dit, moi, je mets poison avec ça, l'intention là. Qui si ou pas un Nabi, si ou un Nabi, alors sa poisson là, pas pour de nous du tout, et si ou pas Nabi, ou pas pour connaître donc un poisson là-dedans, nous pouvons gagner rahat avec eux. Nous mettons ça pour tester, est-ce que vraiment Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, yallah, son Nabi, a dit ça, tiens, nous, Nabi, fin pardonner, il n'est pas fin prendre aucune sanction contre lui. Alors, ça c'est Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité même, si vous étudiez Al-Shama'il Al-Muhammadiyya, un très joli livre ça, vous étudiez le Nabi comment il était, ça même suffit
Montrez-nous grandeur du Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Rawaha, un parmi les sahabi, il s'est mentionné dans Al-Shifa. Il dit law lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakana manzaruhu yumbika bil khabar. Ce sahabi là dit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y en a beaucoup de mojiza, beaucoup de signes clairs, mais même s'il n'y a pas de tout ça, de signes clairs, de mojiza qu'il y a amené là, même si ça aussi n'y a pas de signes, vu le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, zis, getli koumaliété, lui suffit pour comprendre la véracité de l'islam. Allah fin crée nos Nabi de sa façon-là. Peine à personne plus grand, plus meilleur qu'il est dans toute la création. Les mêmes plus grands. Sab se ola o ala, hamara nabi. Sab se bala o ala, hamara nabi. Alhamdulillah, Allah fin accord nous un rasoul comme ça. Fin fait nous vin de son ummat et ça même nous n'assisez pour remercier Allah. Finalement, c'est ça même et on mon nabi, pas plus. Si quelqu'un peut faire quelque chose qui est haram, et puis pas ça, dans compte, il y a mon Nabi, ça du monde n'a en tout. Ça du monde n'a en tout. Nous, nous pas en tout. Pour nous, il y a mon Nabi, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, garde nous ferme l'aqidah, le sunnah wal jama'a, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.